Nous sommes heureux d'être dans ton intimité ce matin. Nous te rendons grâce, Jésus. Ah, nous avons trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde. Tu as montré la grandeur de ta miséricorde. Tu es allé à la croix du calvaire et tu as payé le prix pour nous. Tu n'as fait exception de personne. Nous te bénissons. Notre Dieu, tu nous as fait grâce. Quelqu'un peut apprécier la miséricorde du Seigneur ce matin. Quelqu'un peut apprécier la miséricorde du Seigneur ce matin. Et lui dit merci pour son sang qui a coulé. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Par ta miséricorde, tu nous conduis. Et tu nous délivres de nos bassesses, de nos manquements, de nos erreurs. Ta puissance nous trouve dans notre faiblesse et nous te bénissons ce matin. Quelqu'un peut élever la voix encore et bénir sa miséricorde. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Car il est bon et sa miséricorde dure toujours. Disons-le ensemble. Car il est bon et sa miséricorde dure à toujours. Chantons encore. Car il est bon et sa miséricorde dure à toujours. Assurance. Il est bon, et sa miséricorde, elle durera toujours. Avec conviction, nous le disons. Car il est bon, et sa miséricorde, elle durera toujours. Jamais. Alléluia.
sur la terre
tous les noms. Le roi des rois. Que nom n'est comme. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Plus grand que tous les noms. Alpha Omega. Alpha Omega. Que nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Plus grand que tous les noms. Plus grand que tous les noms. Jésus. Jésus. Ah, quel merveilleux Jésus, nom, le nom de Jésus. Jésus. Ce soir, nous voulons Jésus, proclamer le nom de Jésus. Jésus. Est-ce qu'ensemble, Jésus, nous pouvons dire Jésus, Jésus. Nous pouvons soupirer Jésus, après Jésus. Jésus. Oui, ce soir, soupirons après Jésus. Jésus. Oui, Jésus. 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 Jésus, 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 Jésus. Bien-aimés, continuons de soupirer, continuons de soupirer ce soir. Nous sommes là ce soir pour soupirer après Jésus, pour soupirer après ce Jésus qui est bon, ce Jésus qui est miséricordieux, ce Jésus qui est plein de compassion, ce Jésus qui est plein d'amour. La Bible nous dit que c'est lui qui allait de lieu en lieu, le cœur rempli de compassion et qui faisait du bien à son peuple. C'est pourquoi ce soir nous croyons qu'alors que nous l'invoquons, nous croyons qu'alors que nous soupirons après lui, il est encore là pour nous faire grâce, il est encore là pour étendre sa miséricorde vers nous. C'est pourquoi, bien-aimé, continue de soupirer après Jésus. Devant ton écran, soupire après Jésus. Là où tu te trouves ce soir, soupire après Jésus. Là où tu es, appelle Jésus. Il se tient près de toi. Il dit qu'il est près de toi pour t'exaucer. Ce soir, appelle Jésus. Appelle Jésus. Appelle-le. Appelle-le. Appelle-le maintenant. Appelle-le de tout ton cœur. Appelle-le de tout ton cœur. Oh Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce que ce soir nous pouvons acclamer Jésus? Est-ce que nous pouvons acclamer ce merveilleux nom, ce glorieux nom, ce puissant nom, ce nom excellent, ce nom qui n'a point de comparable, ce nom devant lequel tout genou fléchit, ce nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, ce nom par lequel nous sommes sauvés. Bien-aimés, ce soir, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame-le. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, nous t'acclamons Jésus. Et quelqu'un peut dire un bon amen. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous salue tous dans le merveilleux, excellent nom de notre Seigneur Jésus.
Je vous souhaite la bienvenue à cette soirée, ce premier soir de nos 3 jours de jeûne qui sont dédiés à consacrer notre mois au Seigneur. Et ce soir particulièrement, nous voulons soupirer après le Seigneur. Ce soir, nous voulons invoquer la grâce de notre Dieu. Ce soir, nous voulons invoquer la miséricorde du Seigneur. Tu vois, tout à l'heure, nous parlions du nom de Jésus. Et ce nom-là est le nom par lequel nous obtenons miséricorde. Ce nom-là est le nom qui nous donne accès à la miséricorde de notre Dieu. Alléluia. Et je voudrais qu'ensemble, nous puissions lire le psaume 136 qui va nous conduire tout au long de ce temps de prière et de partage. Ensemble, on va prendre nos Bibles dans le psaume 136. Et je vais lire du verset 1 au verset 7. Il est écrit, « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui fait de grands prodiges, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde durera toujours. » Amen. Alléluia. Et j'ai envie qu'on fasse quelque chose. On va relire ce passage. Mais tu vois, quand je vais dire, par exemple, louer l'Éternel car il est bon, chez toi à la maison, tu vas dire, car sa miséricorde durera toujours. Parce que ce soir, tu as besoin de la miséricorde de Dieu. Est-ce qu'on peut aller ensemble? Donc, louer l'Éternel car il est bon. Car sa miséricorde durera toujours. Louer le Dieu des dieux. Car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des seigneurs. Car sa miséricorde durera toujours. Celui seul qui fait de grands prodiges. Car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence. Car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux. Car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les grands luminaires. Car sa miséricorde. Alléluia. Est-ce que nous pouvons ensemble acclamer la miséricorde du Seigneur? Non, est-ce que tu peux acclamer mieux que ça? Est-ce que tu peux pousser un cri de joie ce soir? Parce que la miséricorde de notre Dieu durera toujours. Sa miséricorde est présente. Sa miséricorde est là. Alléluia. Alléluia. Ce soir, nous voulons invoquer notre Seigneur. Ce soir, nous voulons prier en nous appuyant sur la miséricorde, sur la bonté de Dieu. C'est pourquoi le premier sujet pour lequel nous allons prier ce soir, nous allons dire merci au Seigneur. Alléluia. Vous savez, notre Dieu est bon. Dans le passage que nous avons lu tout à l'heure, il est dit sa miséricorde, sa bonté dure à toujours. Sa bonté est là. Sa bonté est présente. Et quand nous regardons nos vies, mes amis, soyons honnêtes d'une chose. C'est que Dieu est bon pour nous. Dieu est bon pour chacun de nous. C'est pourquoi est-ce qu'ensemble, nous pouvons élever la voix et dire merci au Seigneur pour sa bonté. Bénir le Seigneur pour ses bienfaits. Souviens-toi de comment il a été présent. Souviens-toi de comment il t'a guéri. Souviens-toi de comment il a pourvu. Souviens-toi, tu n'avais rien. Tu n'avais rien dans ta poche. Mais Dieu a ouvert le ciel et il t'a envoyé une provision. Ce soir, est-ce que tu peux être reconnaissant? Est-ce que tu peux commencer à élever la voix? Prions, prions notre Dieu. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es excellent. Merci parce que, Seigneur, oh Dieu, chaque jour, nous voyons ta miséricorde. Nous voyons ta bonté. Oui, comme Jérémie pouvait le dire, il dit, tes bontés ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Mais chaque jour, tu les renouvelles. Chaque matin, tu les renouvelles. Ce matin, quand nous nous sommes réveillés, Seigneur, une nouvelle bonté a été présente. Demain matin, quand nous nous réveillerons, Seigneur, ta bonté sera encore là. Ta bonté se lève jusqu'au nu. Ta bonté est là, Seigneur. C'est pourquoi ce soir, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Roi des rois. Merci, Père éternel. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es bon. Oui, tu es bon. Tu es bon. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons, Jésus. Nous te célébrons, Jésus. Nous t'honorons, Jésus. Nous te louons pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Et particulièrement dans cette période où nous sommes,
avec ce vide qui est en train de décimer, qui est en train de toucher des vies, Dieu nous a gardés. La main du Seigneur a été étendue sur nos vies. Le Seigneur nous a préservés. La santé a été notre partage. Et quand bien même nos corps ont pu ressentir des maux, le Seigneur a étendu sa main. Ce soir, bénissons le Dieu qui nous guérit. Bénissons le Dieu qui nous relève. Bénissons le Dieu qui est avec nous, qui est pour nous un bouclier, une tour forte, un abri sûr dans lequel nous pouvons nous cacher. Ensemble, continuons de bénir le Seigneur. Continuons de lui dire merci. Continuons d'honorer son Saint-Nom. Continuons de lui rendre la gloire. Merci Seigneur. Merci pour ta protection. Merci pour ta protection. Merci pour le bouclier que tu as étendu sur nos vies. Merci parce que tu nous as couverts de ton ombre. Oui Seigneur, merci Jésus. Merci pour cet amour. Oui, dans ton amour, tu nous as préservés. Dans ton amour, tu nous as gardés. Dans ton amour, tu nous as épargnés. Tu nous as épargnés de toutes ces choses qui ne t'honorent pas, qui ne te glorifient pas. Seigneur, nous te bénissons. Oui, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Tu es bon pour nous. Oui, tu es bon pour nous. Tu es bon pour nous. Oui Seigneur, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon pour nous, tu es bon pour nous, tu es bon pour nous. Et vous savez, dans cette période, la bonté du Seigneur a été manifestée au travers de toutes ces paroles que le Seigneur nous a dit. Vous savez, la Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le Seigneur, pendant cette période, il nous a nourris. Pendant cette période, il a permis que nous puissions recevoir des prophéties. Il a permis que nous puissions recevoir des enseignements. Il n'a pas fait en sorte que l'église soit fermée durant cette période, mais l'église a été là. L'église a été chez toi à la maison. Et durant cette période, plusieurs ont vu leur communion avec le Seigneur être rétablie. Plusieurs ont vu leur vie chrétienne connaître un boost, connaître une certaine évolution. Ce soir, est-ce que tu peux élever la voix et dire merci au Seigneur pour cette évolution? Dis merci au Seigneur qui t'a nourri. Dis merci au Seigneur qui t'a enseigné. Dis merci au Seigneur qui a été là au travers des messages, au travers des pasteurs. Dis merci au Seigneur au travers de tes responsables de GEM. Dis merci au Seigneur parce que c'est lui qui les a envoyés et c'est lui qui était chez toi au travers d'eux. Bénis le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oui, tu es bon. Tu es bon. Et dans toutes ces choses, nous voyons ta bonté. Dans les paroles que nous avons reçues, nous voyons ta bonté. Dans ces choses-là, Seigneur, nous voyons, oui, cette bonté est manifestée. Cette bonté qui s'est répandue. Cette bonté qui a été présente. Cette bonté, Seigneur. Seigneur.
Seigneur, nous te bénissons, de tout notre cœur nous te bénissons, de tout notre cœur nous te rendons toute la gloire, de toute notre âme nous te rendons la gloire, parce que tu le mérites Seigneur, oui tu mérites nos louanges, tu mérites Seigneur, tu le mérites Père. Et ce matin, ce soir nous voulons nous approcher de toi, ce soir nous voulons encore, oh Dieu, venir au devant de toi, parce que nous reconnaissons que dans ta bonté, dans ton amour, devant ta fidélité, Seigneur, nous n'avons pas toujours gardé notre fidélité. Nous reconnaissons que ta bonté nous démontre que nous ne sommes pas toujours restés bons. Nous ne sommes pas toujours restés remplis d'amour. À certains moments, nous avons emprunté des chemins qui n'étaient pas tes chemins. À certains moments, nous avons emprunté des voies qui n'étaient pas tes voies. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, devant ta bonté, nous voulons venir devant toi. Nous voulons implorer ta miséricorde, implorer ta compassion. Bien-aimé, la bonté de Dieu est celle-là qui ouvre nos yeux sur notre état et qui nous montre combien de fois nous nous sommes souvent détournés du Seigneur et nous avons emprunté des chemins qui n'étaient pas ses chemins. C'est pourquoi ce soir, si tu reconnais que tu as emprunté une voie qui n'était pas la voie du Seigneur, tu as emprunté un chemin qui n'était pas le chemin du Seigneur, ton Dieu te dit, mon fils, ma fille, reviens à moi ce soir. Reviens à moi, reviens à moi. Ensemble, est-ce que nous pouvons élever la voix et revenir vers le Seigneur? Élevons la voix et reconnaissons quand nous nous sommes éloignés de lui. Reconnaissons ces choses. Demandons pardon au Seigneur pour le péché. Demandons pardon au Seigneur ce soir. Élevons la voix et parlons au Père. Parlons au Père. Seigneur, ce soir, nous venons à toi. Ce soir, nous t'implorons. Oui, de tout notre cœur. Seigneur, nous voici. Nous voici. Nous voici, Seigneur. Nous ne venons pas devant toi comme des personnes parfaites. Parce que nous reconnaissons nos faiblesses. Nous reconnaissons nos péchés. Nous reconnaissons nos iniquités. C'est pourquoi ce soir, nous voici. Seigneur, me voici. Voici mon frère. Voici ma sœur. Seigneur, entends le cri de nos cœurs. Nos cœurs qui s'humilient. Nos cœurs qui reconnaissent ces choses. Nos cœurs qui reconnaissent le péché. Fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce. Sans rien retenir. Sans rien retenir. Je te donne tout de moi, je me livre à toi, Seigneur. Je me livre à toi, Seigneur. Je te donne tout, Seigneur. Je te dépose tout sur ton autel. Consume-moi le péché, Seigneur. Je me livre à toi, je me livre à toi. Je te donne tout, je te donne tout. Tout de moi, je te donne tout. Je me livre à toi, je me livre à toi, Seigneur. Je me livre à toi, Seigneur. À toi, je ne peux rien retenir, sans rien retenir. Sans rien retenir. Je ne peux rien retenir. Sans rien retenir. Je ne peux rien retenir, Seigneur. Sans rien retenir. Sans rien retenir. Sans rien retenir.
Oui, bien-aimés, continuons d'invoquer la miséricorde de notre Dieu. Continuons de supplier le Seigneur ce soir. Vous savez, à la vérité, quand nous regardons dans nos vies, quand nous regardons souvent même dans l'église, nous voyons des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Nous voyons la méchanceté, nous voyons le péché sous toutes ses formes. Nous voyons souvent de la sorcellerie, nous voyons des abominations. Nous voyons même l'homosexualité dans l'église. Nous voyons l'impudicité, nous voyons toutes sortes de perversions. Nous voyons de la méchanceté. Mes amis, ce soir, ayons l'honnêteté, ayons le courage. Ayons la franchise de venir devant le Seigneur tel que nous sommes. Il dit qu'il ne nous juge pas. Il ne nous met pas dehors si nous venons à lui. C'est pourquoi ce soir, viens à lui. Ce soir, ne retiens rien. Ce soir, ne garde rien. Ce soir, abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Élève la voix et présente-lui ta vie telle qu'elle est. Ne trouve pas des excuses. Ne trouve pas des excuses à ce que tu vis, à ce que tu fais. Appelle un péché, et ce soir, demande pardon à ton Dieu. Ce soir, humilie-toi devant lui. Ce soir, prosterne-toi devant lui. Ce soir, jette-toi à ses pieds. Sois comme le fils prodigue qui a reconnu son péché et qui dit, j'irai devant mon père. Je lui dirai, papa, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Et la Bible dit, alors qu'il est venu, il s'est jeté aux pieds de son père l'a repris. Ce soir, ton père est prêt à te reprendre, mais il attend juste une chose de toi. Il attend de toi que tu te jettes à ses pieds. Il attend de toi que tu t'abandonnes à lui. C'est pourquoi ce soir, je veux t'inviter à faire une prière, pas une prière diplomatique, mais une prière honnête, une prière sincère, une prière vraie devant ton Dieu. Abandonne-toi devant lui. Bien-aimé, humilions-nous ce soir. Humilions-nous devant notre Dieu et implorons sa grâce. Ah Seigneur, Seigneur, nous voici. Seigneur, nous voici ce soir. Nous voici ce soir. Tu nous connais. Seigneur, tu nous connais. Tu vois le péché. Tu vois l'iniquité. Seigneur, quand nous sommes seuls chez nous à la maison, durant cette période de confinement, oh Seigneur, tu sais combien d'abominations, combien de choses méchantes, de choses mauvaises, combien le péché a été présent dans nos maisons, alors que personne ne nous voyait, alors que nous étions seuls. Combien, Seigneur, se sont détournés. Combien, Seigneur, ont eu à faire des choses qui ne t'honorent pas. C'est pourquoi ce soir, nous nous humilions. Ce soir, nous nous humilions. Ce soir, nous nous humilions. Ce soir, nous te demandons pardon. Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Aie compassion de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Toi, le Dieu bon. Toi, le Dieu compatissant. Toi qui es riche en bonté et en miséricorde. Seigneur, ce soir, nous te supplions. Ce soir, ton Église te supplie. Ce soir, ton peuple te supplie. Oh Père, oh Papa. Papa, aie pitié de nous. Papa, nous voici. Nous voici. Me voici devant toi. Ah, pardonne-moi. Pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Pardon, pardon, pardon. Pardonne-moi.
Shekabas. Ah Seigneur, lave-nous, Seigneur, purifie-nous. Seigneur, nettoie-nous ce soir, nettoie-nous. Seigneur, enlève l'iniquité au milieu de nous, enlève l'impureté au milieu de nous, enlève la souillure au milieu de nous, enlève la débauche au milieu de nous, enlève ces choses au milieu de nous. Tu dis à cause de telles choses, ta colère s'abat, Seigneur, sur nous. C'est pourquoi ce soir nous te supplions. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 4, à partir du verset 17, il dit « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? » Seigneur, ce soir, nous venons t'implorer. Parce que tu dis que le jugement va commencer par ta maison. Tu dis que le jugement va commencer par ta maison. Et Seigneur, nous ne voulons pas que le jugement s'abatte sur nous. C'est pourquoi ce soir nous t'implorons. C'est pourquoi ce soir nous soupirons après ta miséricorde. Toi qui es bon. Oui, toi qui es bon. Toi qui es bon. La Bible dit que tu es lent à la colère. Ce soir nous implorons ta compassion. Nous implorons ta miséricorde. Ce soir nous crions à toi. Afin que Seigneur, dans cette miséricorde, que tu sauves quelqu'un. Dans cette miséricorde, que tu délivres quelqu'un. Dans cette miséricorde, que tu fasses sortir mon frère et ma soeur de la condition dans laquelle il est qui ne t'honore pas. Seigneur, ce soir, nous te supplions. Bien-aimé, ensemble, est-ce que nous pouvons élever la voix et demander au Seigneur dans sa miséricorde ce soir de te sauver, de te faire sortir de ce dans quoi tu es, de te faire sortir du péché dans lequel tu étais tombé. Ce soir, que dans sa miséricorde, le Seigneur étende sa main vers toi. Parce que lorsque le fils prodigue est venu se jeter au pied de son père l'a relevé, son père l'a repris, son père l'a accepté. Ce soir, ton père veut t'accepter, mais il a besoin que tu l'appelles. C'est pourquoi ensemble, élevons la voix et demandons au Seigneur ce soir de nous sauver des situations dans lesquelles nous sommes. Que le Seigneur nous sauve, que le Seigneur nous délivre, que le Seigneur nous libère, que les chaînes tombent ce soir, que la main de Dieu ce soir nous trouve dans nos conditions et les change dans le nom de Jésus. Ensemble, élevons la voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, nous t'invoquons. Seigneur, nous crions à toi. Oh Dieu, afin que tu nous libères, afin que tu nous sauves, afin que tu nous prennes de là où nous sommes, de là où nous étions. Seigneur, libère-nous. Libère-nous. Ce soir, libère-nous. Libère-nous des chaînes du péché. Libère-nous des chaînes de l'iniquité. Libère-nous des chaînes de la captivité. Je prie, Seigneur, afin que dans le nom de Jésus, ces chaînes-là ne nous maintiennent pas captives. Parce que la Bible déclare, car la croix, Seigneur, tu nous as libérés de toute forme de servitude. De toute forme de servitude. Par ta mort à la croix, le prix a été payé afin que nous ne soyons plus esclaves du péché, plus esclaves des convoitises, plus esclaves de la chair, plus esclaves des désirs du moi, des envies de la chair. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, libère-nous. Ce soir, libère quelqu'un. Ce soir, libère mon frère, libère ma soeur. Que de là où il se trouve maintenant, que ta puissance, Seigneur, nous libère. Que ta puissance brise les chaînes. Que les chaînes soient ôtées dans le nom de Jésus. Libère-nous, Seigneur. Libère-nous. Délivre-nous de tout péché. Des liens qui nous maintiennent captifs. Délivre-nous. Brise les chaînes.
l'impunicité. Brise les chaînes. Brise les chaînes. Les chaînes du péché qui nous empêchent de t'adorer. Qui nous empêchent de te louer. Brise les chaînes. Brise les chaînes. Brise les chaînes. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour les chaînes que tu brises. Merci parce que tu es le Dieu des dieux. Oui, le verset 2 du psaume 136 dit « Louez le Dieu des dieux ». Seigneur, tu es le Dieu qui est élevé au-dessus de tous les dieux. Alléluia. Quels que soient les dieux qui peuvent se nommer, quels que soient ceux qui peuvent se prétendre être des dieux. Seigneur, toi tu es au-dessus d'eux, tu es leur Dieu. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, nous voulons te couronner comme le roi. Nous voulons te couronner comme le Dieu de nos vies. Nous voulons te couronner comme le Dieu de toutes choses. Et alors que nous te couronnons, nous voulons enlever la couronne à tous ces faux rois, à tous ces faux dieux. Nous voulons leur enlever leur couronne. Nous voulons enlever les couronnes, Seigneur, à l'argent dans nos vies. Nous voulons enlever les couronnes à ces choses qui nous ont conduits jusqu'à aujourd'hui. Ce soir, Seigneur, par nos prières maintenant, nous voulons enlever ces couronnes. Bien-aimés, élevons la voix. Et tout ce qui régnait dans ta vie, tout ce qui voulait s'établir comme roi dans ta vie, ce soir, déclare dans le nom de Jésus que sa couronne est enlevée au nom de Jésus. Ensemble, élevons la voix et prions maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Père, 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 au nom de Jésus, ce soir, tu es notre roi, tu es notre roi. C'est pourquoi maintenant, nous déclarons que tout ce qui voulait, Seigneur, oh Dieu, régner dans nos vies, ce soir, nous lui enlevons sa couronne, ce soir, nous déclarons, Seigneur, qu'il n'est pas assis sur le trône de nos cœurs. Nous découronnons, Seigneur, l'argent dans nos vies. Nous découronnons, Seigneur, les dieux de cette terre. Nous découronnons le vide. Nous le découronnons dans le nom de Jésus. Nous découronnons la maladie. Nous découronnons toutes ces choses-là, papa. Ce soir, dans le nom de Jésus. Rabbe Sheke Debe Kilabraita. Bien-aimé, prie le Seigneur, et déclare qu'aucun roi ne peut régner dans ta vie, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et que vienne ta pluie, oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que que vienne de ta pluie, bon Jésus. Seigneur, nous voulons ton règne.
Ce soir, c'est ton règne que nous appelons. Ce soir, c'est ton règne que nous invoquons. Ce soir, c'est ton règne que nous déclarons. Ton règne dans nos vies. Ton règne sur nos circonstances. Ton règne, Seigneur, au milieu de nous. Ton règne dans l'église. Ton règne dans nos maisons. Ton règne dans notre santé. C'est ce règne-là que nous appelons. C'est ce règne-là que nous déclarons. C'est ce règne que nous souhaitons. Merci, Seigneur, pour ton règne. Merci pour ton règne qui est répandu. Merci pour ton règne qui se manifeste. Tu as dit, lorsque nous prions, nous devons prier afin que ton règne vienne. C'est pourquoi ce soir, l'église prie pour que ton règne vienne. Que ton règne vienne dans cette nation. Que ton règne vienne dans notre église. Que ton règne vienne dans le corps de Christ. Que ton règne s'établisse partout. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne. Les cassés, que les méchants. Bien-aimés, invoquons le règne de Dieu. Invoquons le règne de Dieu. Et par ce règne, nous voyons une église forte. Par ce règne, nous voyons une église unie. Par ce règne, nous voyons une église qui combat l'ennemi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que ta voix résonne. Seigneur, pour ta gloire, merci pour ta gloire, merci pour ta gloire qui est répandue, merci pour ta gloire qui est manifeste, merci pour ta gloire que nous voyons, oui, de nos yeux nous le voyons, de nos yeux nous constatons ton règne sur cette nation, ton règne dans l'église, ton règne dans nos vies, oui, nous voyons ton règne, Seigneur, nous le voyons ce règne. Nous l'appelons ton règne, Seigneur. Ton règne qui est visible, ton règne qui est palpable, ton règne qui agit. Merci pour ton règne, merci, Seigneur. Merci pour ton règne, merci, merci, merci. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur, merci parce que tu agis. Merci parce que tu agis. Merci pour ta gloire, merci pour ta puissance. Merci Seigneur, à toi la louange, à toi l'honneur. Et quelqu'un peut acclamer le règne de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le règne de Dieu? Est-ce que tu peux pousser un cri de joie ce soir pour déclarer que ton Dieu règne? Pour déclarer qu'il est le Seigneur, il est le même, il est le Seigneur. Alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Et nous voulons terminer ce moment en déclarant qu'il est aussi le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu des dieux, mais il est aussi le Seigneur des seigneurs. Le verset 3 nous dit, louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde durera toujours. Alléluia. Dis avec moi, louez le Seigneur des seigneurs. Louez le Seigneur des seigneurs. Car sa miséricorde durera toujours. Car sa miséricorde Alléluia. Durera toujours. Vous savez, le Seigneur, c'est celui qui règne. Le Seigneur, c'est celui, j'ai envie de dire, qui contrôle tout, qui maîtrise tout. C'est lui qui a tout sous son pouvoir. C'est lui qui a tout sous sa domination. Alléluia! Alléluia! Et pour cela, nous allons lire un passage avec lequel nous allons prier. Éphésiens chapitre 3. On va prendre nos Bibles. Éphésiens chapitre 3, au verset 10. Il est écrit, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Mes amis, il y a une sagesse variée de Dieu, une sagesse infiniment variée, parce que l'infiniment, il a sa place. Alléluia. Il y a une sagesse infiniment variée que nous devons manifester. Mais tu vois, cette sagesse-là, elle ne vient pas de nous. Cette sagesse ne vient pas de notre intelligence. Cette sagesse ne vient pas de ce que tu as appris à l'école. Mais cette sagesse vient du Dieu des dieux. Elle vient du Seigneur des seigneurs. Elle vient de celui qui est le maître de tout, de celui qui tient tout dans cette terre, tout sur cette terre, qui le tient sous son pouvoir. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, nous voulons bénir le Seigneur pour sa sagesse qu'il nous communique. Nous voulons bénir le Seigneur véritablement pour la puissance, oui, la puissance qu'il déploie au travers de l'Église. Nous voulons bénir le Seigneur parce que nous croyons que cette pandémie dans laquelle nous sommes est une occasion pour lui de manifester sa lumière au travers de l'Église. Ensemble, élevons la voix et invoquons maintenant notre Dieu. Bénissons le Seigneur et prions afin que la lumière de Christ, la lumière du Seigneur des Seigneurs, se manifeste au travers de l'Église dans le nom de Jésus. Que l'Église révèle la grandeur de Dieu aux nations dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci Seigneur, parce que tu t'es acquis un corps, tu t'es acquis une Église, tu t'es choisi une épouse et par cette épouse, tu veux révéler ta gloire au monde. Par cette épouse, tu veux te révéler comme étant le Seigneur des Seigneurs. Tu veux te révéler comme étant celui qui règne sur tout. Tu veux te révéler comme étant celui qui maîtrise tout. C'est pourquoi l'Église, Seigneur, ce soir, au travers de notre voix, veut se positionner. Seigneur, veut se placer afin que ta gloire se manifeste. Veut se placer afin que, Seigneur, ta lumière brille. Ta lumière brille. Merci parce qu'il en est ainsi. Merci parce que tu te saisis de nous, tu te saisis de moi, tu te saisis de mon frère, tu te saisis de ma sœur et tu répands ta lumière. Cette lumière est répandue, ta gloire est répandue, ta sagesse est répandue, ta puissance est répandue. Merci Seigneur parce qu'il en est ainsi. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu agis au travers de chacun de nous. Merci pour ta gloire qui est à l'œuvre. Merci Seigneur parce qu'alors que tu positionnes l'Église, tu dépouilles les dominations. Alors que tu positionnes l'Église, toutes les autorités dans les lieux célestes, les dominations, les puissances de ce monde des ténèbres sont sous nos pieds dans le nom de Jésus. Merci parce que Seigneur, tu nous élèves afin de les abaisser. Tu nous élèves afin de nous accorder, ô Dieu, de manifester ton règne. C'est pourquoi Seigneur, nous voulons te bénir encore une fois. Nous voulons te dire merci avec nos acclamations. Nous voulons te dire merci avec les cris de joie parce que nous savons que tu le fais. Oui, tu le fais au travers de nous. Tu le fais au travers d'une église, tu le fais au travers d'un racheté, tu le fais au travers, Seigneur, de ces élus que tu t'es acquis, Seigneur. C'est pourquoi Jésus reçoit la louange, Jésus reçoit la gloire, Jésus reçoit les hommages. Est-ce que quelqu'un peut pousser pour amen? Alléluia, alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à notre Dieu, gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Et nous voulons dans cette atmosphère vraiment bénir le Seigneur, rendre grâce à notre Dieu pour ce merveilleux moment dans sa présence, pour ce temps que le Seigneur nous donne de mettre à part. Parce que nous savons que quand notre Dieu nous appelle à part, c'est pour nous communiquer sa présence, c'est pour nous communiquer sa puissance, c'est pour nous remplir de lui. Alléluia. Vous savez, il est difficile de remplir quelque chose qui est en mouvement. Pour le remplir, tu as besoin de le stabiliser. Et ces 3 jours sont pour nous l'occasion d'être remplis, d'être inondés, d'être saturés de la présence de notre Dieu. Alléluia. Amen. Et nous ne pouvons pas venir recevoir de notre Seigneur sans nous aussi en retour lui apporter quelque chose. Pour lui dire simplement merci. Pour lui témoigner notre reconnaissance. Pour lui témoigner notre gratitude. Pour lui exprimer combien nous sommes reconnaissants. C'est pourquoi ensemble, est-ce que nous pouvons simplement apporter nos offrandes au Seigneur. Pour lui dire merci ce soir. Merci pour sa bonté. Merci encore pour sa fidélité. Merci pour sa grâce. Merci pour son amour. Ensemble, apportons nos offrandes au Seigneur. Apportons nos offrandes. Tu es le plus grand. Tu es le plus grand.
Ces offrandes que nous t'apportons ce soir, nous t'élevons. De tout notre cœur, nous t'élevons. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci parce que tu es bon, merci parce que tu es bon. Merci pour ton amour, merci pour tes bienfaits. Merci pour ta grâce qui est répandue. Merci pour ta grâce qui est répandue. Merci pour ta grâce qui agit ce soir. Nous te rendons toute la gloire pour ces offrandes que nous t'avons apportées. Et nous ne pouvons pas terminer ce moment sans, Seigneur, prendre le temps encore vraiment de te bénir et de te dire merci pour tout. Merci pour ton amour, merci pour tes bienfaits. Merci Seigneur, merci Jésus. Je crois qu'au travers de ces instants, le Seigneur a certainement visité quelqu'un. Le Seigneur a certainement répandu encore sa grâce dans le cœur de quelqu'un. Et je sens dans mon cœur quelqu'un qui veut être reconnaissant au Seigneur, qui veut prendre le temps vraiment de dire merci à son Dieu. Pendant quelques instants encore, est-ce que tu peux élever la voix vers le Seigneur? Est-ce que tu peux lui être reconnaissant? Est-ce que tu peux lui rendre toute la gloire? Est-ce que tu peux lui dire qui il est pour toi? Est-ce que tu peux lui dire combien tu l'aimes? Parce que ce soir, le Seigneur vient de renouveler ton amour pour lui. Le Seigneur vient de te réconcilier avec lui. Vient de t'ouvrir une certaine lucarne ce soir. Et tu as besoin ce soir d'élever la voix. C'est pourquoi, bien-aimés, ensemble, élevons la voix. Élevons la voix. Parlons au Seigneur ce soir. Seigneur, nous t'élevons. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons, Seigneur. Tu es tout pour nous. Tu es le bien le plus précieux. Tu as plus de valeur que l'or. Tu as plus de valeur que de l'argent. Tu es plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer. Tu es plus fort que les forts de ce monde. Tu es plus grand que les grands de ce monde. Tu es plus puissant que les puissants de ce monde. C'est pourquoi ce soir nous t'adorons. Du plus profond de notre cœur, nous pouvons t'adorer. Oui, nous t'adorons, Seigneur. Plus grand, au-dessus de tout, nous crions Jésus.
Tu es le plus grand au-dessus de tout. Jésus, c'est toi le plus grand. Jésus, c'est toi le plus beau. Jésus, c'est toi le plus magnifique. Jésus, l'on peut trouver tous les superlatifs pour te qualifier parce que tu les mérites, Jésus. Oui, tu les mérites. Tu mérites que nous t'honorons. Tu mérites que nous t'adorons. Tu mérites que nous mettons ce temps à part pour toi. Parce que toi, Seigneur, tu as décidé, tu t'es offert pour nous. Tu as décidé de te mettre à part pendant 33 ans d'années de vie humaine. Tu les as mis à part. Tu as renoncé à tout pour nous. C'est pourquoi nous aussi ce soir, nous prenons cette décision de renoncer à tout pour toi. Nous prenons la décision de t'appartenir. Nous prenons la décision de marcher avec toi. Nous prenons la décision de t'honorer tous les jours de nos vies. Et nous te le disons ce soir, tous les jours de nos vies, Seigneur, nous te servirons. Tous les jours de nos vies, nous le mettrons à part pour t'adorer. Tous les jours de nos vies, nous le mettrons à part pour t'honorer. Tous les jours de nos vies, nous décidons de te les consacrer. Nous décidons que cette vie, elle ne nous appartient même plus. Ce n'est plus notre vie. C'est ta vie, Seigneur. C'est ta vie. Nous vivons cette vie par procuration. Nous la vivons à ta place, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, reçois notre louange. Reçois notre adoration. Reçois l'expression de notre gratitude. Reçois notre reconnaissance ce soir. Reçois ce soir, Seigneur, les paroles qui montent du cœur de mon frère et de ma sœur. Reçois ce soir la reconnaissance de ce champion, de cette championne que tu as rachetée. Et non seulement nos reconnaissances veulent s'exprimer par les mots qui sortent de nos bouches, mais ils veulent s'exprimer aussi par nos acclamations, par ces acclamations que nous faisons monter vers toi qui est bon, vers toi qui est glorieux, vers toi qui est puissant, vers toi qui est magnifique, vers toi qui est glorieux. Oui, Seigneur, reçois notre acclamation, reçois notre louange, reçois notre adoration, reçois, Seigneur, nos hommages. Ah, tu es dit Jésus. Ah, qui est comme toi. Merci Jésus, 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 Jésus. Oh, alléluia, 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 alléluia. Ah, merci Seigneur. Merci Jésus. Ah, alléluia. Il faut bien qu'on s'arrête. Sinon, honnêtement, on n'a pas envie de s'arrêter. Mais ce soir, nous voulons simplement rendre gloire au Seigneur. Nous voulons bénir notre Dieu. Nous voulons lui dire merci pour tout. Merci parce qu'il est bon. Merci parce qu'il est excellent. Merci parce qu'il est merveilleux. Merci parce qu'il est glorieux. Merci parce qu'il mérite. Il mérite nos louanges. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. À toi soit la gloire, à toi soit la louange. Merci Seigneur. Amen. On peut encore acclamer très fort le Seigneur. Alléluia. Ce soir, nous sommes donc au terme de notre première rencontre, de notre premier jour de jeûne. Je rappelle que demain, nous sommes dans le jeûne. Demain, toute la journée, de 6h à 18h, nous sommes dans le jeûne. Et à partir de 18h30, donc, nous nous retrouvons encore dans un temps de prière, dans un temps de contemplation de notre Seigneur. Et ce, jusqu'au mercredi. Donc, notre jour de jeûne, il reste donc demain mardi et mercredi, où nous sommes devant le Seigneur, en train de chercher sa face, en train de soupirer après lui. Alléluia. Nous voulons bénis le Seigneur et rendre grâce pour terminer ce moment. Parce qu'ensemble, nous pouvons simplement élever la voix pour dire merci au Seigneur. Merci pour sa bonté. Merci Père pour ce moment merveilleux. Merci pour ta grâce qui est répandue. Merci ce soir parce qu'au travers de ces instants passés dans ta présence, nous croyons que Seigneur, tu nous as reconnectés avec toi. Nous croyons que Seigneur, tu as déposé dans nos vies une nouvelle dimension de grâce, de faveur, de puissance. Et ce soir, nous voulons simplement, Seigneur, c'est vrai, nous séparer physiquement ou sur le net, mais nous voulons, Seigneur, rester connectés avec toi. Nous voulons que, Seigneur, pendant notre nuit et la journée de demain, que tu continues de nous parler, que tu continues de nous éclairer. Merci parce que tu es avec nous. Merci pour ta grâce qui est répandue. Nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire à notre Dieu et notre Père. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bonne soirée à tous et à toutes. Et rendez-vous demain dans la présence du Seigneur encore.